Easy go. Yo tout le monde, c'est Arcane. Alors, on est parti pour le nouveau jeu de Star Wars, Jedi Fallen Order, où on suit en fait les aventures d'un jeune Padawan qui essaye ou qui tente d'échapper à l'Empire. Ça se passe quelques années après l'épisode 3. Donc du coup on suit les aventures de notre jeune Padawan qui fait tout pour échapper à l'Empire, pour ne pas se faire remarquer, mais qui va finir par se faire en fait remarquer à cause d'un événement majeur et qui finira aussi par tomber sur la rébellion, un groupe de la rébellion. Si j'ai bien compris, c'est la rébellion ou alors les débuts de la rébellion avec Saw Gerrera et tout. Je sais pas si c'est en fait dans le jeu, si c'est la rébellion directement ou si c'est une cellule de résistance qui deviendra plus tard la rébellion. Petite parenthèse, il y a une série animée qui est très bien, c'est Star Wars Rebels, qui se passe quelques années, donc ça doit être 3 ou 4 ans avant l'épisode 4, où on voit en fait les prémices de la rébellion, où on suit en fait un groupe de résistants qui commence en fait à comment je vais dire qui se bat contre l'Empire et qui s'unit avec d'autres groupes de résistants pour créer la rébellion. Très belle série, sympathique, j'ai bien aimé, donc pour ceux qui l'ont pas vu, à regarder. Petite fin de la parenthèse. Du coup on va repartir sur le jeu. Quand ils ont fait la présentation, qu'on a eu le petit gameplay de 10-15 ou minutes à peu près, j'ai bien aimé. Il y avait de belles actions. J'espère qu'on aura des bons trucs comme dans la présentation, avec des enchaînements de combats à coups de sabre laser et de force. C'était pas mal. Donc j'espère qu'on aura ça. Allez, c'est parti, commencer une nouvelle aventure. Ah d'accord, qu'est-ce qu'on a? Mode histoire, chevalier Jedi, maître Jedi, grand maître Jedi. D'accord. Si je mets le mode histoire, fenêtre de parade. Donc je pense que je peux parer pas mal d'actions. Je reçois un peu de dégâts et l'hostilité des ennemis est moindre. Si je mets en chevalier Jedi. D'accord. Donc fenêtre de parade, j'en ai un peu moins, qui est un peu diminué. Un peu plus de dégâts et l'hostilité des ennemis un peu plus. Maître Jedi. Moitié-moitié, grand maître Jedi, putain, fenêtre de parade, même pas 10%, et tout le reste, ok. Non, moi, je pense qu'on va. Et là, c'est quoi, mais grand maître Jedi pour les joueurs qui recherchent une expérience de combat intense et exigeante. Ok, maintenant on va partir sur chevalier Jedi, quand même. Ah ok, je vais appuyer sur X. Allez hop, c'est parti. J'ai toujours aimé les jeux Star Wars, ça. Donc Allez, hop. Je voulais parler 30 secondes, mais j'ai même pas le temps, c'est pas grave. Ça c'est quoi ça? Ah mais c'est un chantier naval.
Pas casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A. Les pins sont grippés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. La guilde doublera votre paye. Allez, Cal. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein? Ok. Super. On y va. Au travail. Par ici. Je suis juste derrière toi. Les clones, ça rigolait pas. Il a quelques années, pas plus. Ah, parle de clones. Que pour rien au monde, j'irai. Ah, t'en fais pas! L'argent sert à rien si t'es mort. J'ai un peu de panique. Tu devrais te faire ausculter. Non, je suis sûr que c'est rien. Pas un peu ausculter. Alors, on est parti. Je vais essayer. Voilà. Là-haut! Après toi, petit. Ah oui, c'est une décharge. Admire-moi ça. Un vaisseau séparatiste. J'ai pas vu de Luquerolle que depuis un bail. Ouais. Clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Allez, viens, on y va. Graphisme, ça a l'air d'aller, hein, du coup. Attends. Option. Y'a pas un truc? Ouais, si. Capacité, non. Paramètres. Voilà. Sprinter, ouais, bah c'est ça, mais. Sauter, attaquer, esquiver, attaque de force, ouais. Bon, bah y'a pas de. Ok. C'est pas grave. Une partie. Danger! Danger! Hey, tout va bien? Ouais, ça va. Mais il n'y a plus d'échelle. Va falloir que tu passes par ailleurs. Pas de soucis, je me débrouille. On se retrouve là-bas. Quittez cette barge immédiatement. Vous n'êtes pas un déchet approuvé. Je suis un déchet, mais pas approuvé. Ouais, je crois que tu comprends. Faites passer! Je t'avais dit de changer de stabilité. Je parle ni sur ta crédito. Il est réparé.
peux déjà sentir l'odeur des crédits. Ça va être la grosse fête ce soir. Allez, finissons-en avec ça. Cale le casse-cou. Content de te voir. Moi aussi. Évite de mourir quand même. Ouais, je vais essayer. Oh, t'inquiète, t'inquiète. J'ai réussi. Les mecs, faut pas que c'est quoi, des rats de décharge? Flippant. C'est bon, je fais que passer. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. Ah bah, j'ai loupé. Oula, ok. Je suis. Égal, je te retrouve aux pinces. Ça marche, à tout de suite. À la force de moi. Oula, je sens un gros connard arriver. C'est pas grave. Ah non, ça y est. Wouah! Je peux attendre que je passe avant de me couper, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Le laser de chantier est là. En avant toutes. Oh, yeah. Bon, on devrait s'activer. Ouais, t'as bien raison. TRTT, il est quadrupède impérieux, j'allais dire, de la... Ah, comment ça s'appelle déjà? Mars. Même une barge de débarquement de la République. Je grimpe là? Non. J'aille. Voilà. Ok. Je débarque non plus les. Je sais plus comment ça s'appelle, les quadrupèdes là. Allez, faut qu'on termine avant qu'il commence à découper l'aile. Archenez. Dal, actionne le levier de contrôle manuel. Oui.
Ouais, je veux bien, mais où ton... Ça y est, à toi. Attends. Ok, passe fixé. Ça va? Toujours là. Oh, tu m'as fichu la trouille. C'est bon. Bouge pas, on l'occupe. T'inquiète, je suis un ancien Jedi. Viens me rejoindre. J'ai des réflexes. Eh, hey, viens, je tiens un coup d'œil. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire, je passe à moisi là depuis quoi, 4 ans? 5. Ah, celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. C'est Jedi. Une vraie tragédie. Oh, moi j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais, on récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveaux. Sacré trafic. Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République en plus. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qu'il dit que je veux m'en aller? Je t'en prie, Cal. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie, pour trouver sa destinée. Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. Tu fais quoi? Bien. Cal, je peux pas remonter. Oh, accroche-toi. Je glisse. Non, ne lâche pas. Je vais pas tenir. Oh, non. Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des primes sur les gens comme toi, mon pote. Je suis au courant. Je suis au courant. Ouais, d'accord. On doit faire attention. Ouais. Ok. Tiens le coup, Cal. Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Cal. Ça fait un bail qu'on bosse ensemble.
Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé, tous les deux. Enfin... C'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais par ici... T'es en danger. Peut-être que tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. Ta peur, ça a une dette envers moi. Mais je crois qu'il se trouve sur Nar Shaddaa. Ouais. Ah, Nar Shaddaa. On va plus voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Attends! Ah ok, donc un rêve. Un rêve ou alors c'est une vision? Où tu vas? Ok. Je suis dans un destroyer impérial. Il y a peut-être Vador. Mais je pense pas, je pense plus à les Inquisiteurs. À l'Inquisiteur Sith. Écoute-moi sans faillir. Maître, n'accorde ta confiance qu'à la force. Le train n'avance plus. Ouais. Et c'est mauvais signe. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Ces inspections de routine. Deux inquisiteurs. D'accord. Est-ce qu'ils sont tous là? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'ils se livrent maintenant, ou tout le monde ici présent sera alors exécuté
sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais Cador. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. On sait tout ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire... nous ne valons absolument rien. Oui... c'est vrai. Non ! Rendez-vous ça. Un sabre laser. Je maîtrise le Jedi ! C'est quoi? Contrôle de la perturbation. Ah, ça fait mal. Stop, ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites ici? On se calme. Jedi. Désolé. À la radio. Un Jedi ? Prépare-toi ! On le laissera pas passer. C'est le prêtre ! Abat-le ! Ah, je m'en occupe. Continue ! Contact confirmé. Abattez-le. Je peux le battre. Le Jedi est là. Fermez la porte. Me reposer. C'est comme ça que je me prépare. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. On n'a pas le temps de se reposer, c'est en trop peur. Okay. Là, regardez. Allez.
Faut que j'appuie sur les flèches pour faire des roulades. Ouais, j'apprends. Hein. Comme ça, le prochain épisode, je saurai ce que je dois faire. Va à l'avant. Arrête le train. Oh non ! Il me faut un abri. Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant ! Thank you.
détruit le coupleur. Il faut monter. On a réussi à le neutraliser. Il a mis le point de vue à cause du chasseur-tille. Ah, c'est pas grave. De toute façon, on va terminer la mission là. S'est arrêté. Ah.
quelque part. Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes peut-être? Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Plus rapide que je le pensais. Pour te battre? Éteins-moi ce truc et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui exactement? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dritus. Comment ça va? Le Mantis est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment? Non, mais t'as entendu ça? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi? Faire renaître l'Ordre Jedi de ses cendres. Vous deux? Et personne d'autre? Oh, on n'est pas assez bien pour toi? Et le Conseil Jedi? Disparu. Donc vous n'avez que moi. Capitaine, nous allons sur Pogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Tu ne crains rien. Pour l'instant. Tu dois partir pour vivre ta vie, pour trouver ta destinée.
Cal, attention! T'es au courant que tu causes en dormant? Cinglé. Bon, bah allez. On va s'arrêter là pour le premier épisode. Et je reprendrai la suite. Oh bah j'ai un peu okay. Donc je disais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, là, pour le premier épisode. Et on reprendra la suite plus tard. Allez, ciao ciao à tous. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's